Bonjour, ici Serbrien pour servir et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Golden Sun 2. Oui, la dernière fois on s'était arrêté ici. On avait récupéré quelques jeans hein, sur la live, voilà, sur la vidéo. On avait parcouru des chemins et surtout on avait appris une danse qui avait l'air d'être plus une carte de navigation qu'autre chose. Bref, on avait vu ça tout à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, on va sécher déjà. Nice. Aujourd'hui, on va dehors et on va voir la map. La map. Il va falloir qu'on cartographie la map. On a fait ça. C'était sympa. On est là. A priori, on n'a plus rien à faire ici. Hein. Je sais pas pourquoi on a. On a forgé un beau couteau. Il va falloir d'ailleurs l'utiliser en combat. On va pouvoir potentiellement aller voir ici, mais. Ah. Il y a un petit truc là en bas. Allez, let's go, on y va. Mais alors, si la vidéo, le concept de votre tir d'amour vous plaît, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça ne vous coûte rien. Et moi, ça me ferait sembler ça me pour le référencement. Sur ce, la neige, nous voilà. Il en vue. Et qu'est-ce que je fous là, moi? Ouh, il y a un petit truc. Eh ben, allons voir le petit truc. Courons vers le petit truc, vers le petit truc qui est au-delà. Hein? Trop bizarre ce truc. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Îlot de la toundra. Il y a un pépé! Il y a un pingouin! Il y a une maison. Bon. Est-ce qu'on peut sauter? Non, et là? Non. Il y a un truc à faire. Ah, attendez, ça se déplace. C'est pas que ça va de plus en plus haut, c'est que ça se déplace. Oui, d'accord. Ça va juste être très long. Bon, ben... On se rejoint de l'autre côté. Eh ben, ça a été long. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir... Ah, ben oui, on va réunir les deux petits amoureux. Oh, ben oui. Oh ben oui, c'est ça qu'il faut faire. Très certainement. Oh, me dis pas qu'il faut que je reparte de l'autre côté. Non, il y avait une petite rigole là. Pimpin. Bon bah on va en profiter pour soigner tout le monde. C'est tout? Pingouin femelle, peut-être? Non, il faut pousser! Ok! Pas de problème! Ok. Non, mais en vrai! On va réunir les pimpins. Tiens, pimpin. Une belle pierre. Ça sert à quelque chose? Non. Oh well. Oh, c'est mignon, ils jouent ensemble! Ah, je crois qu'ils viennent de la... Ah ouais. Il va y avoir bientôt des bébés. Bon, je m'en vais à côté, on revient. Oui, il y a moyen d'aller sur cet endroit. Bah, au moins, si on se fait tout ça, ça sera une grosse partie de la map qui sera faite. Allez, je suis pas sûr que ce soit là qu'il faut que j'aille, moi. Oh! Ok. Bon, au moins, la traversée de cette zone n'a pas été... n'aura pas été inutile. Type vent, donc ça sert à rien que j'utilise ça. Et bon, un type vent en plein milieu de la glace. Bah, tu peux être pire. Personnage dupé. Ah, ça peut être intéressant. Moi, il va peut-être pas se barrer. Intéressant, intéressant, intéressant. Utilisons croissance. Bon, on a pas mal de sorts quand même.
Allez, lame de vent. Ça fait mal quand même. Allez, 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 allez. Nice. Du premier coup, sans qu'il se barre. Bon, c'est pas tout ça. On va continuer à explorer, je crois. Et regardons un peu les jeans avant. Un savant, ça change rien. Mais on est content. Nice. Bon, je suis là. J'ai tapé tout ça. Juste pour... une tour. Un phare. Bon, je suppose que c'est pas un phare élémentaire. Hein. On a déjà fait le phare d'eau. La tour de toundra. Bon, au moins, l'entrée est propre. C'est beau. Il y a quelque chose à l'intérieur du bloc de glace fendu. C'est de la glace. De la glace, c'est de l'eau. On est d'accord. Logique. Tant pis. Et ici. Ouais. Bon bah, qui doit faire un côté, autant faire l'autre. Hein. Bon ben, go pour un donjon. D'accord, on est sur ce type de truc. Ok, un donjon entier sur le principe de la glace. On est heureux, en vrai. On est heureux, on est heureux, on est heureux. Bon, celui-là était simple. Je sens qu'après, ça va être compliqué. Ah, pas que le niveau est assez... Oh, oh non. Où est-ce que je vais tomber encore? Oh. Oh, va falloir que je réfléchisse. Tac, tac. Ça va partir à un endroit, je sais pas où. Attendez. Parce que là, il faut que je réfléchisse à comment ça se goupille. Non, tac, tac, tac. Non. Oui, Loki. Bonjour, Loki. Je peux réfléchir à mon Loki. Ah bah oui, tu t'es pris dans ma veste. Bah ouais. Attendez. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. C'est bon. Alors, je crois que je l'ai. Je crois. Je crois. J'espère qu'il va pas m'embêter. Tac, tac. Tac, tac. 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 Ouais, bon, je crois qu'il va m'attaquer, hein. Il va pas avoir vraiment très apprécié, je pense. Ah. Ah. Dommage. On bourrine. Bonjour les gens. Au revoir les gens. Hop là. On tranche. On gigavolt. Et accessoirement, on grêle. Alors je peux pas utiliser le saut du barbare que j'utilise habituellement parce que en vrai c'est une attaque de type feu. Donc on y va sans, voilà, et puis roule ma poule. Ah ouch, c'est rude ça. Allez, 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 allez. Oui, nice. Voilà, par contre on gagne beaucoup de niveaux parce que en vrai. Il y a beaucoup de monstres dans ce donjon, hein. Ils sont pas mauvais en plus, hein. Bon, on va voir ce que ça donne maintenant en termes de synergie. Oh bah ça tombe pile poil. Il passe de gladiateur à barbare. Intéressant. Un joli boost de puissance. En vrai, une petite énigme intéressante ici. Donc en vrai, il a fallu casser des pylônes, déplacer les pylônes sur la glace qui faisait que ça se... Bah, comme nous quand on se déplace sur la glace, avec déplacer le pylône au lieu d'avancer d'une case, et bah il était pris dans sa portée. En vrai c'était sympa. Bah du coup je vous garde le visuel comme ça, au moins si vous faites le jeu aussi. Et bah vous avez la solution, vous avez pu voir la solution du coup. C'était vraiment sympathique. Mais un bébé vélociraptor. Il y a quelque chose là. Oui.
un petit canaillou, va. Alors quand il y a un cercle, c'est tout. Alors moi qui allais dire, j'espère quand même qu'ils m'ont pas fait faire ça pour une stèle, comme d'hab. Putain, il y a un bloc en dessous. Me v'là à aller chercher une... Quoi, une bague? Une pierre? Un truc? Je sais pas quoi. Une broche dynamite! J'ai peur de ce que c'est. Donner explosion s'équiper. D'accord. Donc je suppose que ce qui est en dessous... Alors je sais pas à quoi ça va servir, hein. Sincèrement, je ne sais pas. Moi je me suis juste dit, je vais faire tout ce qui se trouve en périphérie sur la carte, et après on voit. Eh ben, explosons ça! C'est pas du tout dangereux de donner ce genre de pouvoir à un gamin de 12 ans. Qui en plus est techniquement plus ou moins extrémiste. Ok. Bon, ben on va voir ce qui se trouve là-dessous. On revient là. Il doit y avoir un truc en plus. On va chercher. Ah ben oui! Le bloc de départ. Attendez, c'était où au début? Il y avait un bloc au départ. Rappelez-vous. Rappelez-vous tout au début. Par contre, ça me fait penser que j'ai pas été de l'autre côté. Ce bloc là. Il y a quelque chose à l'intérieur. Je sais pas à quoi ça sert. Une dent centrale. C'est quoi? Ok. Bon, ben je vais vérifier s'il n'y a pas d'autres fissures et puis on finit la zone. Là, par exemple, là il y a un truc à faire, je pense. Donc j'avais fait tout le côté droit, ce qui m'a permis de monter. Et là, j'ai fait le côté gauche, et en vrai, ça a l'air de passer. Bon, bah, plus qu'à voir ce qu'on peut y trouver. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Oh! Une plume sylph, je sais pas ce que c'est. Un porte-bonheur. La plume sylph, c'est quoi? C'est un objet de craft? Ou c'est une arme? Forgeage, ok. Et on a un dernier bout ici, et là, je pense qu'on aura fini tout le donjon. Donc après, ça... Encore deux coffres? Va-t'en, petit rat. C'est pas une insulte, c'est vraiment un rat. Hein. C'est un rat de flotte, là. Hein. Fiole, c'est pas très intéressant. Ouh. Non, je la veux. J'ai trop de merde sur moi. Trahison. Disgrâce. Y'a personne qui a déjà une goutte. La goutte d'huile, on s'en fout, on peut jeter. Voilà. Je veux ça, moi. Merci. Alors, c'est quoi la puissance de ce bidule? Complètement cramé par rapport au poignard. Alors, le truc, c'est qui peut l'utiliser? Ah, on pourrait lui donner. Qui peut utiliser ça? Pourrait lui donner ce qui serait quasiment pareil que sa hache. Ah ouais, non, mais de toute façon, ça c'est équipé sur lui. Bon, ben go. Hein. Va vraiment falloir que je fasse de la place là-dedans, moi. Bon, bah on fuit, on se balade. Et puis... On essaie de trouver un autre truc à faire. Attendez, au tout début. Je sais plus où ce que c'était. Attendez, on est arrivé. Je crois que c'est là. Oh oui, c'est là parce que c'est un bout de... le bout d'île là. Du côté du... Ouais, c'est ça, le mausolée, je crois. Ou là, au niveau du prêtre.
de la ville. Il n'y avait pas un truc où on aurait pu péter, qui était pris dans de la glace? En vrai. Let's go. Bon, ceci étant fait, qu'est-ce qu'il a à me proposer en... Bah, ce que je lui ai vendu, donc de la merde. Et toi? Alors, la Draco H à 10 300, c'est celui que j'avais, je lui ai vendu. Donc tant que j'ai pas un truc qui est de ce prix-là, c'est que il a rien. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Il y avait... Moi, je vous dis, je me souviens d'un truc là-dedans. Rappelez-vous, il y avait le prêtre qui avait même dit « Eh ben, j'espère qu'ils vont pas m'emmerder !» Attendez. On est d'accord que ça ressemble quand même. Ok. Non, mais c'est pas moi, au moins, c'est bien, c'est... Ah non, c'était pas, c'était juste qu'il fallait geler le truc. Ah oui. Ah bah on va geler tout ça. Il y a encore l'eau qui sur mes jambes si vous demandez pourquoi je bouge comme ça. Et bah pépère, il s'est foutu sur mes jambes, à moitié sur ma cheville. Ça fait un peu mal. Je pense que ça devrait aller en termes de profondeur. Oui. On va récupérer l'alarme. Juste une alarme dans tes yeux. J'ai souvenance qu'il y a... Mais alors, tu récupères? Attendez. Yep. Ah. Hop. Ah, waouh, waouh, waouh. Comment on fait pour le récupérer? Ah, bah voilà. Bon, bah, on a récupéré la larme divine qui sert à quelque chose, ou... Non. On a l'œil du... Seigneur des mers. Attention tes griffes, toi, tu fais mal. Merci. L'œil du seigneur... Merci. On a l'œil et on a un bout du trident. Pourquoi j'ai l'impression qu'il fallait qu'on aille au mausolée? Bon, bah, j'enregistre là, déjà. Voilà. Et puis, retournons rapidement mausolée, voir ce qui se passe. Ah oui, rappelez-vous, c'est là où on avait récupéré les djinns. Je me souviens que... Oui, voilà. Qui dit flaque, dit gel. Et à cette époque-là, on n'avait pas le gel. Je me rappelais qu'il y avait un truc à faire, mais je me souviens absolument plus pourquoi. Mais par contre, j'avais l'impression qu'il fallait briser. Alors, c'est un autre endroit où il fallait briser quelque chose ? Où il y avait de la glace. Mais pour l'instant, il y a ça. On va faire ça et voir ce qui se passe. Où est-ce que ça va nous amener? On va prendre quelques secondes parce que c'est beau. On est littéralement sur la falaise. Hein. C'est sympa. Ah non, c'est pas vrai. Il y a encore des trucs à faire. Non. Si. Bon. Bah, let's go. Une barouille. Bon, ça servira pour le craft, a priori. On continue et on se finit le temple. Bon, je suis bloqué, attends. Ta-t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 a, il y a un truc qui rend... Ça entouré de 6, voilà. Le classique. Ça se ressemble beaucoup à celle du sanctuaire de Daila. Bah ça tombe bien, on a récupéré sa gougoute. Où est-ce qu'elle est la gougoute? Gougoute? Soit on se lève, soit c'est la l'eau qui se monte. Ok. Ok. On va monter l'échelle. Ok. Donc je crois que là on est dans la tour rouge qui était derrière. C'est quoi ça, une note de musique? La dent droite. Tout ça pour une dent. Attendez, du coup, on a quoi? On a la dent droite. On a la dent centrale.
A priori, si c'est un trident, il va nous falloir la dent gauche. Je sais pas à quoi ça sert, mais... Ça fait un truc en moi à explorer. On va regarder si c'est encore en bleu, du coup, la zone. Ouais. C'est encore en bleu. Donc, le fait que ce soit en bleu, c'est pas quelque chose qui nous... Qui veut dire qu'il y a quelque chose encore à faire. Ok. Bon, bah maintenant on va aller où là? Parce que là on a fait, ça on a fait, ça on a fait. Ça du coup c'était quelque chose qu'on n'avait pas encore fait, mais je sais pas pourquoi j'avais l'impression qu'il y avait une glace. Mais bon, techniquement il y avait de la glace puisqu'il fallait faire de la glace. Où est-ce qu'on va aller? Réflexion. Bah en vrai on a fait tout ça. Bah. On a fait plus ou moins ici. On regarde rapidement, là c'est bloqué. Donc ouais, non, là on a fait aussi du coup. Ça on a fait. On n'a pas encore fait tout ça. Ah, il y a Loki qui revient. Attendez, je retire Loki. Hop là, non mais... Alors... Ça, je pense que c'est là où on ne peut pas aller tant qu'on n'a pas résolu les problèmes. On se fait ça. Allez, on va juste aller là-bas, voir ce qu'il y a, et puis on arrêtera la vidéo là. Allez, là tout de suite. Bon, on y arrive, on y arrive. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah bah, il y a déjà une ville. Et une sorte soit de gros rocher, soit de gigatron d'arbres coupés. Mais bon, pour l'instant, on va dans la ville. Izumo. Un marchand. Toujours commencer par le marchand. J'ai des trucs que... Non, j'ai rien récupéré de bizarre. C'est une herbe, mais ça... allez hop. Jeter. Ça vaut que dalle. Ok. Bon, qu'est-ce que t'as à me vendre, toi? Le Shamshir. Oh. Le Ninjato. Le gant de fer. Oula, il y a beaucoup de choses à acheter là-dedans. Mais alors l'épée hypnotique, c'est moi qui l'avais vendue. Ça, on va le prendre. Ça coûte un bras. Mais ça me va. Qu'est-ce que je donne le ticket? Ah, elle, bien sûr. Le gant. Booste l'attaque. Oh. Ouais, mais là, il a un bouclier Fujin. Vaut mieux que je le mette à elle, du coup. Parce que ça booste quand même bien la défense. Alors, il a si peu d'attaque parce que j'ai encore pas, je lui ai pas encore remis ses jeans. Ça booste bien la défense, qu'elle a très très peu, sachant que c'est une soigneuse. On va devoir. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Ok, on donne le ticket de jeu. Alors, le Ninjato. Mais. Et le Chachemire. Mais. Tristesse. Bon, bah ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a encore là-dedans? Je n'ai pas besoin de me soigner. On va désherber, voyons. Regardez-moi sa tête. Ah bah non, on peut pas. Ah si, on peut. Des antidotes. Bon, ça se vend. On va regarder rapidement ce qu'il y a là. Il y a que des pépés. Parce que les pépés... Une veste de fête. Sacrée défense et booste la chance. C'est qui a le moins de défense? Seulement j'ai l'impression que c'est un kimono de fille. Ouais, mais lui c'est parce qu'il est pas équipé. Attendez, ça ira mieux.
Du coup, elle s'est équipée, elle passe de 146 à 183. Lui passe de 129 à 133, ce qui fait gagner que 4 points. Là, ça lui fait gagner... Ah oui, non, là, elle gagne presque 40 points. Ah oui, non, c'est vrai qu'il n'y a vraiment pas le... la défense la plus... l'objet de défense le plus pété. Ok. Bon, ben... je sais pas ce que je fous, là. Pardon, la victime. Victime. Sacrifice? Quoi? Elle a pas la tête à chanter, à danser. Souza va tenter de vaincre le serpent pour sauver Kushinada. Il est si vaillant. Donc si je comprends bien, il y a une fille qui va se faire sacrifier. Et le chéri, tout du moins quelqu'un, va tenter de sauver la personne en combattant. Ok. Bah je pense que je sais déjà ce qu'on va faire pour la prochaine fois. On va aller sauver la personne du sacrifice. Vaincre le grand serpent. Et continuer notre aventure parce que techniquement... Je sais toujours pas ce qu'on fout là. Ah, sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment. Ma compagnie a divagué sur le terrain de jeu, sur le territoire de Golden Sun 2. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça ne vous coûte rien, moi ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'aide pour le référencement. Je vous fais de gros poutous et je vous dis à la prochaine. Bye.